Bonjour les loulous! Et on est reparti pour une merveilleuse aventure. Alors, avec une égalité entre Lady Jenny 3, The Spelunket, et Sir Grey the Hokage. Sachant que je crois que dans les commentaires sur Facebook, quelqu'un a précisé que je devais prendre le guet, ce qui fait de toute façon dans tous les cas une égalité. Alors, soit je prends Lady Jenny. Ah, on va prendre Lady Jenny. Ça va faire une partie. On va tenter. Est-ce que j'ai fait de l'or? Je m'en rappelle plus. Oui, j'ai fait un peu d'or la partie d'avant. Il faut que je booste. Je peux pas acheter le gros ton là? Non, toujours pas. Ah oui, 5470. Et bah, c'est pas pour tout de suite qu'on va jouer des dragons en fait. Hein, des chevaliers dragons. Du coup, je peux rebaisser le prix de charron. Il faut combien pour augmenter ça? Ouais. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah putain, c'est chiant le tout flou là. J'ai débloqué quoi? Ouais, plus 9 d'armure quoi. Ouais, j'ai plus d'or avec celle-là. Je peux pas la porter, cela dit, donc. Je vais prendre ça. Et si je peux, je vais booster le poids que je peux porter. Ouais, je peux encore. Ouais. Et avec les 278, je pense que je ne peux rien acheter. Enfin, on va vérifier, mais ça paraît pas gagné hein, quand même. Hein. Non. Les runes sont beaucoup trop chères. De toute façon, j'ai toujours aucune rune. Ouais, 700 maintenant. Et de toute façon, je veux les runes de thunes. C'est ça que je veux. Et on est reparti, mon kiki. Là, on va explorer un peu. Donc là, plutôt que de faire... Ah, j'ai une petite lampe. C'est cool. Et je suis un spelunker. Donc on va aller chercher le boss qui est juste à côté. Et il y a un coffre juste au-dessus. Donc on va aller chercher le coffre, là. Voilà. Voilà, on va récupérer de l'or. Parce que là, chaque pièce me donne 15 d'or. Donc... on va pas bouger son plaisir comme on dit. Voilà. Ok. Ah, il y a un œil dans le coin en fait. Ah putain, il y a des tableaux en plus. Ok. Et bah la partie va être très très courte. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au boss, mais je promets rien. Hein. Enfin, normalement il est là, donc... voilà. Ça donne un peu de vie et de la thune. On va essayer par là. Raté. La pièce s'est barrée ou je l'ai récupérée là? J'ai pas fait gaffe. On va faire demi-tour en fait, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir 36 000 or là, et il y a une pièce avec plein d'ennemis. Et j'ai pas spécialement envie de tenter ma chance. Oh cool, de la vie. Ah, ça serait bien que je récupère pas mal de vie en fait.
qu'à la limite, si je récupère de la vie, je pourrais un peu profiter d'être un knight. Non, on a dit qu'on arrêtait ça. D'être un spelunker plutôt. Hop. Ah. Oh putain. Ah mais je n'active pas les pièges, ça c'est cool ça. Parce que du coup ils vont être plus faciles à tuer les gaziers. Oh calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et voilà, hop. On va laisser peser. On va essayer un petit truc sympa. Voilà. Et je crois... Enfin à mon avis il doit y en avoir un autre en dessous de moi. Voilà. Et voilà. Ouh là là. Et hop. Ah, y a un truc là. Ah ça c'est cool ça. Alors qu'est-ce qu'on va gagner? L'obol de Kidr. Ok. J'ai pas du tout la moindre idée de ce que ça fait. Hein, si... Si quelqu'un qui a joué au jeu l'a déjà eu et... Pouh, j'ai fait un truc bizarre là. Voilà. Si quelqu'un qui a joué au jeu l'a déjà eu, hein, j'en voudrais pas de me dire parce que je ne sais pas ce que font. Oh là là là, là ça devient dur parce qu'il faut esquiver les magiciens. Alors on va tuer un peu tout le monde, là voilà, ça va mieux. Et voilà. Tout ça pour ça. Hein? Ah oui, ça doit être le boss du dernier niveau par là. Du coup on... Raté. Je pensais le tuer. Voilà. Et c'est pas facile hein, quand même. Hein. Et merde. Alors. Attends, je suis pas venu jusqu'ici pour rien quand même. Ah bah si. Stupidité. Quand tu nous tiens. Enfin après on pourrait se demander. Oh putain. Je prends des risques. Quel débile. J'ai fait n'importe quoi là, sur celle-là. Alors, du coup, on va aller par là. Voilà, un petit trésor. Ah, je pensais qu'il y aurait des zombies. Bon. Hop, voilà. Alors. Cool. Bah, du coup, on va monter. Du coup, on va descendre. Du coup on va monter. Ah c'est la première fois que ça me fait ça dis donc. Voilà, le problème du spelunker c'est quand même il tape pas fort quoi. Hop, voilà. Les coffres par contre devraient être assez cool au deuxième niveau. Ouais. Voilà, dans ta tête, le worgen. Ah, il y a un coffre caché par là. Voilà, lui aurait tué comme ça, comme un bourrin.
Oh! Ah, mais merde, le pot de mes couilles! Et j'ai dit le, pas là, hein, avant qu'on s'offusque de ma vulgarité. Ah, j'y crois pas! Il est de l'autre côté. Grace Rune for Chase Placed. Et du coup, j'ai loupé le coffre qui était complètement de l'autre côté en fait, dans un coin que j'ai pas exploré. Si j'arrive à regagner un petit peu de vie, à la limite, je pourrais toujours l'explorer. Ouf! Ah, forcément. Voilà. Cool. Peut-être y arriver au final. Merde. Ah, j'ai pas envie de courir après les runes, donc je vais pas m'emmerder. Ouf, oula, pourquoi je rame d'un coup là? Voilà, mieux déjà. Du coup, on va redescendre et on pouvait tourner ici apparemment. Ouais. Oh putain. Ok. Oh putain. Et putain. En plus, c'est exactement la même salle que tout à l'heure, mais avec plein d'ennemis en plus. Et j'ai plus de magie pour les tuer. Bon, bon, moi j'aurais fait peu de pépettes. Et je crois pas que j'ai fait assez pour acheter la super classe. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Bon. Alors, nous avons Sir Skunky 2 qui est un archimage qui est type avec l'hypergonadisme, donc il pousse les ennemis plus loin, et qui a le HS, You Conduct Electricity Very Well, Really Well. Ben, je ne sais pas ce que c'est la première fois que je vois ça. Ça dit, il y a une mise à jour où il devait rajouter des salles et des ennemis, donc enfin des salles et des traits, donc ça doit être à tout votre peut-être, je sais pas. Je ne l'ai jamais eu, le HS. Et qui a Conflux. Donc Sir Charles, qui est un spell wall sword, qui n'a rien, comme ça c'est plus simple, avec un chakram, comme j'avais déjà, comme je viens d'avoir. Et Lady Shanoa 3, qui est une spellunquette, encore, qui a la coprolalia et qui est ambivalent. Et qui est avec une hache. Voilà, voilà. Bon, bah, ce sera à vous de décider entre Sir Skunky the Second, Sir Charles ou Lady Shanoa the Third. Voilà, voilà. Et ben voilà, bah, du coup, je vous retrouve demain. Bonne journée, les loulous.